C'est couleur. C'était pas vert, nous, Wilco? Effectivement. Y a un monsieur à poil derrière toi, Dodo. Oh, regarde! Eh, c'est les nouveaux Little Bird de Cap. Et pourquoi il s'est barré dans l'autre, le pilote? Parce que faut le... apparemment, Froggy veut prendre le Venom. Oula, je t'entends pas fort du tout. Ah. Zut! Parce que t'as le casque. Ah ouais, à ce point. Ouais, t'as mis ton bouchon d'oreille. Ah ouais, non, waouh! Waouh! Bah ouais, comme ça t'auras moins de bruit dans l'hélicoptère. Waouh! Technologie! Et t'as vu, il y a le nouveau Little Putain. Bird avec les bras pour faire du fast drop. La classe! Oh. Un bug chelou là. À quoi? Si tu ne nous dis pas ce que c'est, on va pouvoir t'aider. Ben, comment expliquer ça? Par moment, j'ai des flashs blancs, je vois les traces de pas par terre et les sacs à dos qui deviennent tout blancs. T'as vu Black Ops 2 d'un coup? Ça, c'est ce que c'est que t'as mis trop de morphine dans le petit déjeuner. Non, non. Il n'y avait pas de marksman dans Black Ops 2. Si. Ah, ça le fait plus là. Pas sur le banc de. Si, ça recommence. Les deux marksman, ils sont, c'est ceux qui se font déposer et qui meurent. Ah. Non, c'est des TP ça. Ah non, c'est des marksman. T'es sûr que c'est pas des... c'est pas des TE? T'es sûr que c'est pas des marksman de précision? Oh là. Comment je fais pour lui donner des ordres au bonhomme pour lui ordonner de rester là? Ouais, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas grave si c'est le dessus, c'est triste, il pourra pas jusqu'à l'île. C'est ça, il va faire finage, un finage comme un gros con. Pour la reco, il est excellent celui-là avec sa caméra là. Bah, tu me feras une reco, Franky, avec ton binôme. Je donnerai un rapport de contact le temps qu'on arrive sur. Il faudra qu'on se pose pour que je me mette sur le banc alors. Tu peux vérifier si tu peux changer de club depuis? Enfin, attends, je peux le faire aussi. Non, je dois pas pouvoir. Ah non. C'est quoi ça, Master Safe? Master Safe, c'est généralement pour pas tirer avec ton arme. Moi j'ai pris un screen du bug, je vous le montrerai après. Ok. Bon, oh, bah, je monte à côté une photo de ta vue trouble de ce soir. C'est vrai que c'est pas mal. Bah quand même, hein. Ouais, il manque plus. C'est vrai sur le côté, doudou là. Ça m'impressionne toujours de voir la charge qu'il peut emmener cette hélicoptère. T'en avais paru large là. C'est un truc de fou. Il me s'est tout nu là-bas. Bon pilote, si le plan de vol est prêt, tu peux mettre à chauffer ta machine. Pas tout à fait. Rouge, c'est ok pour vous? Vous êtes sanglé? Yes. Ouais. C'est bon. On est à bord. Avec Doudou pour pas tomber. Nous sommes à La Rochelle Airport. La Rochelle. Casse pas les doigts quand même. Putain, en plus la caméra elle tourne à 360 quoi. Pas mon doigt ça. Très bien ton axe d'approche. Ah non, il y allait pas. C'est le pilote, il fait ce qu'il veut. Ah, tu l'as mis en canal véhicule? On va voir les marécages. Ah, c'est bien, comme ça ils seront pas emmerdés quand ils seront à terre. Voilà. Yes. Tu ralentiras avant l'approche pour que je puisse jeter un petit coup d'œil. Bienvenue sur Airport.
Ouais, tu switcheras après, tu veux dire? Pour la poser, ouais. Mais même après, tu switcheras à la poser. Même après, je resterai pour. Radio test? Ouais, c'est entendu. Bien, Winrid, la test bien pris. Reçu 5. Prêt pour décollage. Décollage autorisé. Piste 28 autorisée. Faire des drops de grenades depuis l'hélico, ce serait marrant. Logiquement, ce serait possible, mais dans le jeu, je sais pas. Ça, ce serait tellement fun. Tu charges l'hélico à mort de grenades et tu te recharges. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. J'ai réussi à attraper une branche. On est loin là, putain. Ça fait une sacrée trotte. Il y a des trucs dans mon menu roulette, j'ai envie de les essayer, mais j'ai peur que ça m'éjecte toute la nuit comme ça. Oh, c'est pas vrai. Toggle monitor, ça fait quoi? Attends, tu peux le faire, je l'avais déjà fait, regarde. Ça vire le truc devant toi dans le Lego. Parce que j'étais dedans en fait. Tu peux quand même le regarder. Et Master Safe, c'est quoi? Normalement ça désactive toutes les armes quoi, mais vu qu'on n'est pas armé, c'est vite vu. Ok, on arrive. Bien en vue. Leader à Eagle, commence bien à regarder avec ton flir s'il n'y a pas des contacts sur la partie nord du lien. Prisset à coup. Continue à recours. On stabilise. Le relief est trompeur là, je pense qu'on voit pas grand chose de la zone d'opération. Ouais, moi je vois rien en tout cas. Enfin, on a infrarouge. On peut y aller.
Ouais. Pas sûr que la LZ soit une LZ en fait. Là, je t'en passe. T'es à 200 mètres, ralenti. Pose-toi dans la plaine, non, devant nous. Là. Si c'est pas possible de se poser, tu nous déposes sur la vallée juste avant. Bah, t'as on y est là. On est déjà sur LZ Alpha. Y'a les cordes, y'a les cordes. Ouais. On peut le faire en fast rope. On va faire en fast rope, je pense que ce sera encore mieux. C'est clair en bas là, je vois pas. C'est légèrement sur la droite. Fais gaffe, stop. Ah, t'as des armes juste en dessous là. C'est pas bon là? À la limite, là je peux me poser. Ah, c'est bon, t'as rien en dessous. Moi je t'ai vraiment proche à droite. Non, c'est bon, c'est bon. Avance, avance de quelques mètres. Ça passe. Le câble, tu peux te poser. Allez, on débarque. Tu switches à coup ou tu restes? Chef? Chef, je switch tout de suite ou on fait une reco à la thermique? Reco la thermique et tu switcheras après, vous pouvez aller vous mettre en vol d'attente pour commencer à regarder ce qu'il y a. Allez, terminé. Tous les fantassins, vous mettez vos strobières aussi. Quand je serai sur le banc, j'aurai plus de radio intercom avec toi. On passera sur la 343. J'en ai pas. Ah non, c'est vrai. T'en as une toi? Non. Ah, tu vois. Tous on se regroupe sur le chemin à côté de la baraque. T'es sûr de ça? Ouais, tu peux pas faire la reco d'ici déjà? Si je peux, mais c'est dégueulasse quoi. Tu peux te rapprocher de 500 mètres, ce serait bien. 700 mètres, dangereux. Ouais, tu vois des anti-aériens non plus. Hein. Ouais, mais bon, on n'est pas censé se faire repérer. Ouais, t'as raison. Ah, c'est bon. Il y a du monde, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, là, il y a un camion de mer. Ça c'est l'objectif. Vas-y, continue à avancer un tout petit peu comme tu le fais là, ça me permet de voir un peu par où il pourrait passer. Ouais, je confirme, l'entrée principale est sur le bas de côté. Oh, c'est beau la technologie quand même. Ouais, le plus gros est sur la ville. Devoir les empêcher de venir sur eux. Enfin, je vais regarder dans la forêt sur leur chemin, voir s'ils ont rien.
je viens à la com, ok? Pour, juste pour ça au moins. Ça marche. Pareil. Ouais, il y a la leader, prêt pour rapport de... Votre position s'il vous plaît. On n'a pas vraiment de position. À 1 km à l'ouest de l'objectif. Roger. Donc prêt pour rapport de recours sur objectif. Ok, prêt pour rapport de contact, c'est parlé. Ok, repéré une vingtaine de fantassins sur zone, éparpillés sur toute la ville de Tavu. Continue de scanner les mythes d'ici. Une grosse partie sur la sur le sud-ouest de la ville. Pas vous déranger dans votre avancée. Des contacts éparses sur tous les bâtiments Reagan et Truman. Je confirme que l'entrée principale de l'objectif est dirigée sud-est avec un homme en faction à l'entrée. Leader pris, patientez. C'est forcément ça. Des gueules reçues, patientées. C'est moi, il y a du brouillard qui se lève. J'ai pas vraiment l'impression. Hein. Je monte encore un peu à une distance. Merde, t'es monté en altitude? Un peu, oui. Tu veux que je descende? Ouais, si tu peux te rapprocher un peu, parce que là tu t'es beaucoup éloigné, là t'es à 2 km. Affirmatif, j'ai confirmation aussi. Non, je voulais savoir s'il y avait un mur qui séparait en fait la ville en deux, mais effectivement, non, c'est moi qui ai mal eu la carte. Ok, on prend le visuel. Continuez votre écho, Deagle, on va commencer à se mettre en mouvement. Je brief les hommes sur ce qu'on va faire par la suite. Bonne position, là, okay. Ça va être chaud de faire des tirs. Alors tu maîtrises le stationnaire, y'a du vent ou quoi? S'il y en a, y a pas beaucoup en tout cas. Et honnêtement je suis pas vraiment fan du stationnaire. Hein. Ouais, si je dois tirer, faudra trouver une solution quoi. On voit nos mecs là. Ouais. On est... Allez. Même un mec sur le bateau qui non, c'est pas ce n'est pas, j'espère qu'il a regardé. Ah merde, dans les yeux. Ouais, y'a que du fantassin là-dedans. Il y en a un paquet par contre. De Eagle à leader. Patientez Eagle. Depuis sa position. Qu'est-ce qu'on fait en termes... On commence à repartir pour faire une dépose et que je prenne mon rang. Ok, ça marche. Je l'avertirai de ce que j'ai vu.
là j'ai perdu le visuel, tu t'es mis dans ce coup. Je me suis trouvé une LZ. De toute façon, s'il faut, je ferai de la recoue à la lunette. Hein. Ouais, ce sera déjà pas mal. Juste qu'on perd pas le contact radio. Étonnant, ouais. Ça va être relou hein. Chier. C'est quand tu veux. L'autre à quand. Ah oui, ok. Nous avons subi un assaut, le leader est mort. Holy shit, ok. Nous on a switché, je suis sous le banc, on va essayer de, d'arriver pour faire des passages. Est-ce que vous avez eu la recours? 29 de contact sur zone et c'est tout ce qu'on se rappelle. Ok, il y a une grosse partie qui est dans les champs qui sont au sud-est. Et sur l'objectif principal, vous avez 4 mecs sur la façade sud-ouest. Et reçu, merci. On est en train de stabiliser notre dernier péché. On va commencer à avancer. C'est extrêmement difficile à tenir. On va essayer de se stabiliser pour voir. Oui, il faudrait que tu te stabilises au large. Ils sont alertés à l'est des positions trop mal. Ouais, essayer de te stabiliser, voilà. Tu m'entends quand je crie comme ça? Ok, reçu, tout sa volonté, on essaie de lancer l'assaut au plus vite. Putain, c'est chaud là. Chaud sa mère. Okay. Oh, ça va Froggy? Froggy? Ouais, ok. Ok, essaie de te mettre de mettre en crier si tu peux. Si je doute que ça aide. Mystery de tout, on est sur le bâtiment Truman 1.
J'ai reçu, l'alerte est donnée là, si vous pouvez avancer à l'IFI. J'ai un technical qui est bug, j'ai perdu Weldred. On arrive, faut essayer de soutenir. Je dirais que c'est pas du tout effectif comme technique, Froggy. Eagle, est-ce que vous voyez le technical? Il est sur le nord du bâtiment cible. Le 12, j'espère, touche parfait. Décédé ou... Décédé, décédé. Ah putain. Deux Eagles, c'était très 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 dur de viser dans les conditions présentes. Pas de visu sur le technical. Les technicals sont neutralisés, du coup faites ce que vous pouvez, Eagle. Deux Eagles, ok, je pense que on est pratiquement inefficace avec cette technique. Bah, essayez d'en trouver une efficace dans les airs. Froggy, va au large, essaie de te stabiliser, quitte à être un petit peu à genre 500 mètres. Je confirme, en fait décédé. Parce que si tu te stabilises pas, je peux rien faire du tout. Tu m'as entendu, Froggy? Oui, pose-toi au large, au 500 mètres, sinon je peux pas faire de tir. Pas de visu sur les copains là. Sur les docks à coup, il y en a plein. Ouais, ouais. Putain. C'est carrément chaud hein. Vas-y, c'est trop nul à chier. Déjà, je vais enlever silencieux parce que c'est je te propose de te déposer à l'opposé de l'équipe et que tu snipe depuis en bas, ça sert à rien de s'acharner ici. Ah oui. De Eagle à leader, est-ce que c'est pris? Bien pris, je suis seul survivant au sol, je vais tenter un assaut rapide sur l'objectif. Oh putain. Est-ce que vous pouvez vous faire diversion? Froggy, dépose-moi pas dans les champs, ça sert à rien, il y avait beaucoup d'hommes dans les champs. Dépose-moi plutôt sur les hauteurs, essaye de me déposer dans les hauteurs là où ils étaient. Ouais, bon, fais comme tu peux. Tu peux te déposer sur le bâtiment. Ouais, c'est couillu, mais de toute façon, au point où on en est. Oula, oula, oula. C'est chaud, c'est chaud ça. Hop, 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 hop. Ah bah ouais. Attends, par toi. Oh, allez mec, optimiste quoi. Optimiste. Oh mon dieu.
Ah, il revient, hein. Je sais pas pourquoi je me suis dit. Bon bah je sors de l'hélico. Hein. Je me suis dit, ça nous tire de partout dessus. Ou je sors quand même. Hein. Ah, mais c'est le mec qui est la petite baraque qui m'a buté. Putain, c'était horrible. Il fait quoi, là? Non, pas la petite baraque, il est. Je vois sa lampe torche dans la lune, il est pas très loin de toi. Mais c'était infernal, je pouvais pas communiquer avec Froggy depuis le bas. Ah. C'est posé. Ah, il doit être blessé. Ah, il y a des 3-4 ans en rap dans la caisse, hein, dans le briefing. Ouais, on va pas penser à prendre. Ça pourrait être utile d'en prendre, ouais. Tu dis qu'il est à bout ? Ah non, il est bout, ils ont poussé son Little Burn. Ah oui, putain, il est bien défoncé, ouais. Ah, il s'est posé pour ça, du coup, il y avait plus de. Ah, je pense bah, sûrement, il a dû perdre du carburant. Les admins pouvaient boit... couper le prisonnier des mercenaires chinois. Je me rends. Il parle encore. Oui, il a dit qu'on pouvait couper. Si jamais. Bah, oui, il peut couper. Oh, oh la gueule de l'hélico, quoi. Ouais, sinon, tu coupes en 10 missions, on s'en fout, c'est pas très grave. Horrible. Oh non, de Dieu! T'es dérouillé quoi! Oh putain, c'était impossible de viser depuis le banc là, c'était horrible! Même en stationnaire? Bah, les stationnaires, ouais. Enfin, il n'y en avait pas beaucoup les stationnaires en fait. Froggy, il m'entendait pas alors.